Nous continuons notre série de cours sur le thème du mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous parlerons des recommandations que le prophète a faites pour le jeûneur. Le prophète a recommandé à sa communauté d'adopter certaines conduites pendant Ramadan. Ces actes et ces dires recommandés aux jeûneurs sont surérogatoires. Ils font partie de la tradition du prophète honoré. Parmi les choses recommandées, il y a de s'empresser de rompre le jeûne lors de la rupture du jeûne, et ce, avec des dattes ou avec de l'eau, si on ne trouve pas de dattes. Il est également recommandé de donner aux jeûneurs de quoi rompre leur jeûne. Il est également recommandé de prendre le souhour, c'est-à-dire le dernier repas, et de le retarder à la fin de la nuit. Il est conseillé de le prendre, même si ce n'est qu'une gorgée d'eau, et de le retarder jusqu'à la fin de la nuit, avant l'aube. Le prophète a fortement incité sa communauté à gagner davantage de récompenses en jeûnant le jour et en accomplissant des prières surérogatoires la nuit. Le prophète a également incité sa communauté à accomplir la prière de El-Subh et celle de El-Isha en assemblée, tant les bénédictions en cela sont immenses. Il est également recommandé de faire preuve de beaucoup de générosité et d'utiliser son temps dans le bien. Que Allah nous accorde de faire preuve de beaucoup de générosité lors du mois de Ramadan et dans tous les autres mois de l'année, et qu'il nous accorde de suivre les recommandations honorées de notre bien-aimé, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Retrouvez-nous chaque vendredi avec un nouveau rappel vidéo. Barakallahu fikum, wa salamu alaykum. Ramadan, Ramadan, ya'tina. رمضان يأتي.